Allez, ça tout le monde, c'est Azuric Pérassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 610 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Au niveau de l'épisode précédent, on avait tout simplement débuté vers le laboratoire royal à mode difficile, dans lequel on avait fait un petit fail, allez voir l'épisode précédent si vous voulez aller le voir, constater le petit fail, voilà, on avait fait un petit fail dans l'épisode précédent. Donc du coup, les amis, c'était un petit fail totalement what the fuck. Comme quoi, vraiment, plus la difficulté augmente, plus les choix pour pouvoir faire le scénario va être impactant pour la suite, tout simplement. Et du coup, les amis, on va pouvoir continuer notre aventure avec du coup la fin, normalement, de ce mode... pas de ce mode difficile, mais en tout cas de ce scénario. Voilà, parce qu'évidemment, on va finir ce scénario aujourd'hui, si tout se passe bien. Hein, si tout se passe bien, donc voilà quoi. Voilà. Donc écoutez, on y va, on va tenter d'éliminer du coup les derniers ennemis qui restent au milieu du passage. Vous avez vu, il y a des chouchous, il y a un petit peu de tout. Et je vais les chouchous. Merci. Hop, salut toi. Merci. Des dorades de lame. Et du coup c'est parti, on va pouvoir éliminer les derniers ennemis qui sont ici. Allez, boum. Bon t'es mort là. Voilà. Bon il a rien le temps de calculer le boss. Le boss de l'avant-poste. Hein. Voilà. Allez, du coup, on va pouvoir partir. Alors, Zelda, non, Terako. Terako, au pire, reste là. Ouais, avec Impa, on va finir tout le reste. Hein. Avec des bombes à distance. Voilà, au moins, c'est fait. voilà, le petit coffre. Citrouille Armo. Ça fait toujours plaisir, hein. Alors, bon, pendant que Zelda est en train d'affronter des ennemis, pas mal d'ennemis d'ailleurs au passage, donc on va pouvoir prendre les petits trucs. Polaris. Allez. Polaris. Et boum. Voilà. Allez go. On continue. Non, y a rien ici en fait. Y a pas de. Ouais, parce que on sait jamais. On recherche quand même des petites caisses pour des petites caisses pour des rubis ou quoi que ce soit. Ça peut être bien. Enfin, surtout des rubis quoi. Avec Polaris. Je sais pas si je vais les toucher ceux là. Peut-être. Bon, j'en ai touché un. Wow. Pas aller bien loin. Alors du coup là. Oui, il est en difficulté, ça continue. C'est quoi Link est... okay. Bon, après, c'est pas c'est le Capitaine Ilien est en difficulté. C'est pas lui qui nous importe. Par contre, là, on va pouvoir faire un gros ménage. C'est moi qui vous le dis. Allez. Boum. Boum. Attendez, j'ai le Jacques qui est en train de péter la porte, les amis. J'arrive. Hein. J'arrive. Arrête-toi avec ça. Oh là là, je vous jure, on n'est pas tranquille, hein. Alors, du coup. Non. Oh, retour à la voyeur. Boum. Voilà. Du coup, après, dès qu'il y aura la lune de sang, d'abord, évidemment, du coup, dans l'ordre, hein, précisément. Donc, dès qu'il y aura la lune de sang au bon endroit, on pourra... Là, il y a. Ok, attends. On peut pas les avoir. Alors. Twistia. Hmm.
Défaite imminente. Ah, super. Ça va baiser la gueule comme ça. Comme quoi, vraiment, le mode difficile, hein. Défaite imminente, ils arrivent plus facilement en défaite imminente. De base, ils servaient à rien, mais encore là, ils servent encore plus à rien. Non, mais j'ai juré. Prenez le contrôle de l'avant-poste. Avec Polaris. Allez. Hop. Polaris. Ah bah non, il y a du monde là. Il y a du pipo. Tac. Oula. Cinétis, oui. Allez, 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 allez. Boum. Oh oui. Oh le bâtard. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Alors du coup. Alors toi, merci. Et on va pouvoir activer le petit gardien. Et voilà, succès. Tac. Attirer le gardien. Attirer le gardien. Parce que défaite imminente, à mon avis, il a peut-être... non, presque. Rien. On va l'attirer, on va l'attirer. Oh, le bâtard. C'est bon, il avance. Bon, tout doucement, mais sûrement. Wow, il a pété le truc. What the fuck. Come on. Success. Oh bah on doit éliminer le gardien, bah écoutez je pense qu'avec ça c'est fini hein. Honnêtement. Et bah voilà, on l'a eu. Hop. Hey, et voilà. Et ça nous fait... Wow. La barre d'XP n'a rien même pas bougé pratiquement. Non mais sérieusement. Ok, 4 petits sabres, 3 petits vis. Oh, une arc sacrée, what the fuck, ok. Attendez, oh, c'est l'arc sacré. C'est pas logique. Bon, les pièces d'extension, ok, je comprends. Et le truc dur de... Ryu, Filet Gerudo. Fidek Gerudo avec du coup les 10 escargots Silencio comme d'habitude, 10 doras d'armo, 10 champi armo, 10 champi tempo, 10 doras de lame, 3 lubrifiants mécaniques de Pharas, une fleur armo, 8 crabes lame, 41 doras d'armo, une sauterelle endurio, 15 escargots Silencio, 19 doras de lame, 19 champi armo, 10 champi tempo, 9 citrouilles armo, 12 silex, 26 crocs de dinal de bocobline, 5 crocs de mobline, 3 cornes de Moblin, 3 queues de les Alphos, 5 cornes de les Alphos, 21 cornes de Moblin, 10 viscères de Bocoblin, 8 gelées chouchous, 2 griffes de les Alphos, 1 viscère de Moblin, 3 ressorts antiques, 1 rouage antique, 1 vis antique, 9 fagots de bois, donc d'ailleurs on obtiendra 18 rubis supplémentaires, 820 certificats Bocoblin, 3 certificats de Moblin, 128 certificats de les Alphos, 9 rapports d'études de combat, 3 certificats de sorcier, 4 rapports de matériaux et 24 certificats de chouchou.
Voilà. Ça fait plaisir. Et pas de lune de sang. Incroyable. Bon, ben du coup, on aura fini le premier chapitre en mode difficile. Évidemment, il nous manquera, comme d'habitude, les lunes de sang en mode difficile. Mais bon. Alors, du coup, ça veut dire que dans l'épisode prochain, on pourra s'attaquer aux spécimens dangereux. Hein, je pense qu'on fera, en tout cas, en priorité ça, avant de faire les niveaux conseils des niveaux 1 à 10. Comme ça, au moins, on est tranquille, on se fera pas baiser comme dans le mode normal, tout simplement. Donc, il n'y a que ça qu'on met, on pourra le faire vraiment à la fin de Feng. Mais j'aimerais bien d'abord faire ça en premier. Donc, je pense qu'on ira tout simplement partir pour l'ex-danger de la plaine d'Hyrule à mode difficile. Voilà, donc on fera ça. Et du coup, voilà. Et sachant que du coup, à mode difficile, le danger de la plaine d'Hyrule, on pourra prendre. On verra. Il y a deux moblines. Bon, ça va être tranquille normalement. Mais voilà. Donc, sachant que du coup, avant de faire quoi que ce soit, on va aller voir la galerie, les trucs. Donc. Ça c'est fait, ensuite ça c'est vers le laboratoire royal, ça c'est fait, non ça c'est, ok. Vers le laboratoire royal. Alors quand on élimine le truc, à la fin on le voit. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, donc les trois c'est fait, les trois premiers. Ensuite il y a ça qu'on n'a pas vu, ça qu'on n'a pas vu et ça qu'on n'a pas vu. Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. En d'autres termes, ceci est un type de gardien tout nouveau comme je n'en avais encore jamais vu. Pharas, chercheur du laboratoire antique royal. Enfin, au laboratoire antique royal. Comme la tablette Shake n'est qu'une application de cette technologie. Je vois. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Shake, nous avons pu. Il y a plus. Il renferme aussi une quantité d'informations dépassant de loin les limites de notre imaginaire. Ah! Coucou, Istiti! Oui, oh, proie chercheuse au laboratoire antique royal, elle est magnifique. J'ai juré, elle est magnifique. J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien. Oh, mais c'est... Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule, tout de suite après la résurrection du fléau. Même si nous avons pu en extraire des informations, une grande partie des données était corrompue. Cependant, si je continue à les analyser, je pourrais peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se produire, nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Si jamais je ne parviens pas à sceller le fléau, non. Je dois à tout prix empêcher cela. Ok, bon, on va pouvoir du coup découvrir la prochaine. Alors, redécouvrir, on va dire, du coup. Alors, merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Tac, 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 tac. Afin d'être en mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice, le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance
des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. Mais la forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée aux mains des monstres. Tandis que le pouvoir de Zelda, la princesse d'Hyrule, ne montrait aucun signe d'éveil. Préoccupé par la situation, le roi décida qu'il fallait au plus vite réunir les pilotes des créatures divines. Il dépêcha, auprès des candidats choisis parmi leurs peuples respectifs, sa fille Zelda et Link, promu chevalier servant de la princesse, suite à la bravoure dont il avait fait preuve. Et du coup, le dernier... Comptez-vous vous promener partout avec cette relique suspecte ? Oui. Oui. Après en avoir discuté avec Proa et Pharas, nous avons jugé que c'était préférable. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Votre devoir doit être votre seule et unique priorité. Est-ce clair ? Je suis consciente du rôle que j'ai à jouer, père. Je le remplirai sans faillir. Bon, bah écoutez, au moins c'est fait. Et voilà. Bon, bah du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Et du coup, bah dans l'épisode prochain, comme je vous ai dit, on ira s'attaquer au ex-combat contre des spécimens dangereux. J'avais envie de les réserver bah, pour plus tard. Mais finalement, on va tout simplement bah, les commencer directement. Comme ça, au moins, on est tranquille quoi pour ça. On n'aura pas stressé en cas de problème. Donc, on fera du coup tout simplement ex-danger de la plaine d'Hyrule. Si je dis pas de conneries, il est censé y en avoir... 12, 13 au total, 12, je sais plus. Attendez, laissez-moi juste revoir dans Zelda Dungeon, mais normalement, si je dis pas de conneries, Hyrule Warriors, l'ère du fléau, Age of Calamity. Oh fuck! Attendez, le problème c'est que là-dessus c'est compliqué d'écrire, hein. Moi j'aime pas les téléphones, hein. Donc, à écrire sur téléphone c'est un truc de dingue. Hein. Toujours des problèmes à écrire sur des téléphones. Attendez, je vais voir Zelda, Great House of Wild. Ouais, mon problème c'est qu'il y a même pas Hyrule Warriors donc. Minishcap, The Windmaker, Oracle. Il y a même pas Hyrule Warriors. Il y a même pas Hyrule Warriors les gars. On va marquer Hyrule Warriors. Wow, ça marche pas du tout. Ouais, ça ne marche pas du tout. Super, je peux pas le voir dans mon truc. Ah, mais les amis, j'aimerais bien vous confirmer la chose. Attendez, si ça bug pas, j'aimerais bien y arriver avec mon ordinateur parce que j'ai mon truc qui commence à péter les couilles parce que du coup, évidemment. Attendez, si je mets la version, je mets la version pour ordinateur. Chrome retiendra ce choix. Mais attendez, mais Zelda Dungeon, ils ont trop modifié leur site. Je suis sur la version ordinateur et ça marche pas. Mais en fait, ils ont modifié leur site. Ah, je suis dégoûté, quoi. Je tape Hyrule Warriors. Age of Calamity. Ok, c'est bon. On a trouvé, j'ai trouvé. Challenge. Trouvé. Alors, du coup, je vais vous dire. Hein. Voilà, donc j'y suis. Donc, ça. Donc, il y a un total. Alors, ex-alerte. Alors, une. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Il y en a onze, précisément. En comptant le temple oublié, normalement. Governor, nanana, Elkala, Great, Aerofilm,
Ah non, il ne le compte pas dedans. Donc en fait, il y en a 11, mais il ne le compte pas dedans. Ah si, il faut que... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, j'en compte 11. Donc ça veut dire qu'il y a 11 missions comme ça à faire. Donc du coup, ben voilà, donc en fait, il y en a 10 à faire spawn, tout simplement. Donc du coup, il faudra en même temps que je les comptabilise un petit peu de mon côté pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. En même temps, ça permettra de savoir un petit peu ce que, ben, où on en est, tout simplement. Donc merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 610. Et on se retrouve pour l'épisode 611. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey. Peace. Et du coup, nous, on va pouvoir sauvegarder. J'aime bien sauvegarder plusieurs fois. On sait jamais.